Edina na abete isuba babori Somi somi diewa, meditewe minose poto mitonanyo, wazo wato lenamo vivo rotome, wajo wato lenamo kado safue, yo povu po me hopo biwe kajona inu koache, maman dan topa. Mawa minose. Chers jeunes, la jeunesse est au cœur de la nation et toute évolution commence par la jeunesse. Je suis devant vous aujourd'hui parce que j'ai été ces dernières années à l'écoute des besoins de la population qui souffre de ne pouvoir manger à sa faim. Une jeunesse qui n'en peut plus de rester à la maison après des années d'études. Comment rester insensible à tous ces appels? C'est pour cela que je suis venu vous dire que ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Nous pouvons relancer et redynamiser l'économie de notre cher pays, le Bénin. Les mesures que je vous propose vous permettront de pouvoir assurer un revenu à vos familles. Mieux, ces mesures garantiront l'autonomisation de vos sœurs et de vos mères aussi. Enfin, ces mesures vous rendront fiers d'être désormais béninois. Nous ne pouvons rien réussir si nous ne sommes pas unis. C'est pour cela que je vais très vite réunir tous les partenaires sociaux, assurer l'égalité des chances par des concours pour la fonction publique et l'accès aux services publics, puis opérer des rencontres régulières pour promouvoir l'esprit de la conférence nationale. Comme je le disais tout à l'heure, tout commence par vous, la jeunesse. C'est pour cela que vous êtes ma première priorité. Mon objectif est premièrement de mettre les jeunes au travail durant le quinquennat avec 500 000 emplois à créer. Je dis bien 500 000 emplois à créer par le biais des banques d'investissement, des PME-PMI, de la formation en adéquation avec le marché de l'emploi durable et le numérique et en encourageant les entreprises et les bailleurs. Deuxièmement, former par an 5 000 jeunes dans des métiers spécialisés en pénurie et par le génie militaire. Ensuite, il nous faut penser à nos mamans, à nos sœurs, à nos conjointes. Je leur ai réservé une place de choix dans mon projet de société.
Nous allons redynamiser les microcrédits qui passeront à 200 000 francs CFA pour atténuer l'indigence de la gente féminine, dont l'éducation permettra d'être plus proche encore des pouvoirs de décision. Dans mon gouvernement, il y aura 40% au moins de postes ministériels accordés aux femmes, en vue de mieux défendre la gente féminine. Et enfin, des subventions mensuelles leur seront également allouées à celles qui sont les plus indigentes. Pour que toutes ces mesures aient un impact réel sur les populations, nous devons garantir d'abord le minimum. Garantir le minimum, c'est faire de l'eau potable un droit universel au Bénin. Nous allons ainsi mener une politique d'accès à l'eau potable à tous les Béninois, où qu'ils vivent, notamment en préfinançant les coûts des branchements à la Sonev pour offrir le compteur d'eau à 1 000 francs CFA par mois aux plus indigents. Vous me direz, Président, l'eau c'est bien, mais l'électricité. Et je suis heureux de vous dire que l'électricité est une priorité majeure également. Je propose de dénationaliser le domaine énergétique en vulgarisant l'énergie solaire ou autre et en préfinançant les coûts de branchement à la SBE pour offrir le compteur électrique presque gratuitement aux couches les plus défavorisées. Je vous propose de garantir aussi l'indépendance énergétique du Bénin en produisant en quantité suffisante pour notre propre pays et que nous soyons aussi en mesure de vendre l'électricité à nos voisins et en particulier au Nigeria. Une fois que vous avez un emploi, vous pouvez manger et boire à satisfaction. Vous pouvez maintenant vous préoccuper des moyens de communication, car je suis sûr que vous avez ici tous un téléphone portable. Nous allons couvrir tout le Bénin et dans tous les secteurs de développement avec des services numériques de haut débit et à moindre coût en promouvant l'éthique. Pour la question de l'éducation, nous allons la régler une fois pour toutes à travers des concertations dans le cadre des assises nationales pour l'éducation. Tous les problèmes relatifs à l'éducation vont être adressés en améliorant les conditions de vie et de travail des enseignants, en recrutant et en instaurant un système éducatif performant, adéquat, compétitif et contemporain. Nous comptons par ailleurs œuvrer par la gratuité effective de l'éducation pour tous. Nous allons installer des infrastructures pédagogiques là où les besoins sont urgents, numériser l'enseignement et encourager le polyglottisme, de même que l'innovation. J'aimerais aborder la question de la santé qui est cruciale. Améliorer la santé publique en renforçant le programme de vaccination contre le paludisme, les campagnes de sensibilisation et les infrastructures sanitaires. Nous allons travailler pour résorber les crises au sein du personnel médical en améliorant les conditions de vie et du travail des agents de santé. Pour ce qui est de la sécurité, c'est un point phare de mon projet, car plusieurs personnes m'ont abordé et dit à quel point elles ne se sentaient plus en sécurité dans notre pays, avec les accades fréquentes dont les commerces et les personnes font l'objet. Je compte maintenir et promouvoir la paix sur toute l'étendue du territoire national, aux différentes frontières, avec des agents de sécurité et de défense bien formés, bien équipés et conscients de leur mission, tout en impliquant les chefs religieux à décourager le fanatisme qui conduit aux actes terroristes et en intéressant la couche juvénile non à la délinquance, mais au travail. Enfin, si toutes les autres conditions sont réunies,
Le terrain, pour ainsi dire, est propice à la détente. Nous allons ériger des infrastructures sportives modernes, rehausser le Fonds national du sport doté de 50 milliards de francs CFA sur le quinquennat pour promouvoir le sport de masse et d'élite. Moi, Abdoulaye Diochané, je compte agir, mais pas seul. Agissons ensemble pour un Bénin uni et triomphant. Plus de chômage pour les jeunes, plus de souffrance pour les femmes. Il veut bâtir un Bénin de prospérité et de paix. C'est un homme de résultats, il a démontré dans son parcours. Il est soucieux et préoccupé du bien-être de son prochain.